Je me rappelle déjà plus comment on fait le suivi de route. Bon, peu importe. Pas très important. Pour une fois qu'il y a une indication quand même que j'aimerais bien qu'ils me foutent, quoi. Les ombres sont vraiment bien foutues, hein. Elles sont faites avec, je sais plus comment on appelle ça, des pixel shaders. Enfin, on voit que c'est des projections de pixels qui les font, parce qu'il y a un petit côté un peu edgy. Un peu... comment on appelle ça? Il y a un peu d'aliasing, bon, qui est flouté, hein. De l'aliasing flouté. Parce que oui, le problème des pixel shaders, c'est que ça aliase beaucoup, normalement, quoi. Et là, ça va, quoi. C'est vraiment assez correct. On le voit un petit peu sur l'ombre de l'arc, par exemple, et sur la queue du cheval. Tuer l'animal. Je voudrais tuer l'animal, s'il vous plaît. Vous, là, vous êtes un animal. Je voudrais tuer... encore un animal, si c'est possible. Bien loupé comme il faut. Hop, salut. Salut. Bon, allez, on va les avoir à la claque, et puis c'est tout. Tiens, je me fais attaquer par un flamant rose, quoi. Mais ramenez-vous! Mais ramenez-vous, bande de merde! Genre, elle est trop loin. Bon. C'est tout ce qu'il y avait à faire dans cet endroit de merde. Allez. Un autre petit point d'interrogation. Et c'est parti. C'est parti. Aïe. Je balance mon pauvre cheval dans les arbres. Tuer l'animal. Je les ai bien nus. Gamerscore taillader. Yes. Bon, je n'ai plus de flèches. Allez, viens, petite.
Elle est en train de boire gentiment. Et voilà. Screenshot. Bah elles se sont pas fait chier hein. Un bouclier niveau 10. Qu'est-ce qu'il raconte mon bouclier à moi là? Mon bouclier moisi. Moisi. Allez hop, ça c'est mieux. Ok. Trouvons une autre connerie à faire. Peut-être essayer la connerie que je voulais faire, qui était d'aller par là, quoi. De voir si on peut changer de région comme un fou. Ou s'il va y avoir un mur invisible qui va dire non, cette zone n'est pas encore découvrible. Enfin, je soupçonne cette option, hein, mais le jeu nous a déjà prouvé quelques fois qu'il fallait pas raconter de conneries trop vite. Donc on va lui faire confiance. Peut-être qu'ils ont eu la malice de ne pas empêcher qu'on puisse y aller à la fraîche, quoi. Je commence à avoir mal à mon bidou, il va falloir que j'aille manger. Donc je pense qu'au prochain cut, on va en rester un peu là. Ça là-bas, ça sent un peu le lieu dit, alors je vais vite y passer. Même si je crois, apparemment j'ai dû me tromper. Ah non, il y avait juste des blaireaux. Au taquet sur les flèches. Aïe. C'est vraiment immense hein. Le truc auquel ça me fait penser, c'est que là dans la série des Elder Scrolls. Ah bah cool, si on peut y aller à la fraîche, ça c'est cool. Dans la série des Elder Scrolls, ils ont jamais osé faire d'épisodes dans les régions désertiques, alors que voilà, dans le monde dans lequel ça se passe, il y a des régions du désert, quoi. Et là, pour l'instant, il n'y a que Morrowind qui s'était un peu hasardé sur un paysage qui soit pas trop d'heroic fantasy classique, genre mode Seigneur des Anneaux, monde un peu médiéval, occidental. Mais c'était pour des raisons techniques. Dans Morrowind, le truc, c'est qu'ils pouvaient pas faire de forêt et tout à l'époque. Voilà, quand on faisait de la végétation, elle ressemblait à de la chiasse les trois quarts du temps. Donc les jeux évitaient un peu d'en faire, quoi. Et voilà, le côté aride de Morrowind se prêtait bien aux capacités techniques de la Xbox et des ordi de l'époque. Et depuis, bon bah voilà, les mecs ont voulu se faire plaisir. Bon, ça serait quand même bien de trouver une ville ou quelque chose dans cet endroit, n'est-ce pas? Allez, on va se foutre un autre repère, on va essayer de... Ouh là 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 là, d'accord, c'est le désert, quoi. Ah ouais, mais y a rien quoi. Y a pas de ville quoi. Bon, on va essayer d'aller au désert isolé du coup. Soyons fous.
Oh, ce petit chemin là-bas. Mais là-bas, il y a l'air d'y avoir une espèce de... de citadelle. Oh là là, oh là là, donc, non, d'accord. Il y a un mur de level, quoi. Mais donc, oui, alors, où est-ce que j'en étais? Sur Morrowind, oui, le décor... le décor était, avait été choisi parce qu'il s'adaptait bien aux... Enfin, les représentations qui devaient en être faites étaient possibles sur... sur les machines de l'époque, quoi. Faire des grosses forêts à la Skyrim, ça aurait pas été possible, ou, ça, ou alors ça aurait été dégueulasse, quoi. Tout simplement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du moment où c'est devenu un peu possible de faire quelque chose, une forêt techniquement un peu présentable, il y a eu Oblivion et ensuite Skyrim qui sont allés à donf la caisse là-dedans. Mais du coup, c'est pas les décors les plus dépaysants que la série Elder Scrolls peut offrir qui ont été traités. Et là, ils ont l'air de traîner, mais comme des fous, pour nous pondre un nouvel épisode. Skyrim, on se le fait ressucer à gogo, alors que maintenant, je sais pas quel âge il a, mais il commence à se faire un peu vieux, hein, quand même, comme jeu. Et un des trucs qui était possible dans les épisodes suivants, c'était la région désertique. J'ai l'impression que les types osent pas poser leurs couilles sur la table et y aller, alors que voilà, quand je vois les paysages qu'il y a dans ce jeu, même un petit peu en un sens de MGS5, je me dis, putain, il y a quelque chose à faire, quoi. Dans Horizon Zero Dawn, il y a aussi des paysages désertiques absolument fabuleux et tout. Alors imaginez la même chose avec des grands temples et tout, qui seraient inspirés un peu justement du monde arabe et tout. Ah, merde. Tempête. Ça pourrait être sublime. Et comme c'est des environnements vachement extrêmes, je pense que les mecs, contrairement aux forêts qui sont normalement aussi des environnements extrêmes où on se balade pas juste comme ça, c'est aussi éprouvant physiquement et tout. Putain, une belle lumière là. Il devrait gérer, voilà, les intempéries, les tempêtes de sable, justement, ça pourrait être très sympa, quoi. Mais il me semble que dans Morrowind, il y avait ça, il y avait des tempêtes dégueulasses dont il fallait s'abriter et tout, qui duraient un certain temps, c'était assez cool. J'ai le souvenir d'un truc comme ça, quoi. C'était peut-être pas dans toutes les régions, mais... Il était assez intéressant, Morrowind, mais il avait plein de défauts. Mais c'est le cas de toute la série des Elder Scrolls, elle est un peu surestimée sous pas mal de rapports, quoi. Elle a de très bonnes choses, hein. Je suis pas en train de dire que c'est de la merde. Mais par contre, y a des trucs, ça va pas du tout, quoi. Que ce soit au niveau des ennemis ou au niveau des interactions sociales et tout. Bon, elle a tâtonné, hein. Franchement, Oblivion, il a essayé des trucs sur les interactions sociales avec les NPC et tout, mais ça marchait pas tout à fait, quoi. Allez, monte sur ce plateau. Oh merde. Bon non, c'est juste des animaux, je croyais que c'était encore des cavaliers qui allaient me one-shot, peinard, quoi. Putain, c'est vraiment stylé ici, hein, putain. Et que avec du décor naturel en plus, c'est ça qui est cool. Ils ont même pas besoin de se faire chier à sortir une espèce de grosse citadelle débile du Seigneur des Anneaux, non non. Juste le décor escarpé comme ça. Sérieux, c'est classe, hein. En plus avec le... Ah ! Qu'est-ce que... Golem ! Un petit loup ! Un petit loup méchant ! Oh non, un petit jaguar ! Ouh ! Une petite panthère ! Au secours ! Ah, des cailloux volants. Des cailloux volants non identifiés. Et plusieurs en plus. Allez, grimpe, mon petit poney. Quand ils arrivent à faire des environnements naturels qui ressemblent à quelque chose qui ressemble à la réalité, tout simplement, hein, c'est quand même vraiment cool. Hein. La première fois que j'ai vraiment ressenti ça, moi, c'était dans Dragon's Dogma,
où tu avais vraiment différents types de végétation qui correspondaient à différents types de climat et tout. Putain, c'est cool, c'est dommage qu'on voit pas un peu plus loin encore. Mais putain, la sensation du désert et d'y être, quoi, là on l'a vraiment, quoi. Ah, on voit les pyramides là-bas. Sympathique petit tourisme qu'on fait. Sérieux, ça c'est génial, quoi, de pouvoir faire ça. Oh putain, en plus, qu'est-ce qu'on voit là-bas en bas? J'aimerais viser, j'aimerais une vue, j'aimerais pouvoir regarder plus précisément. Il y a une espèce de temple, de gros temple. Bon, les petits canassons, on va arrêter de te brutaliser. Avec une petite musique sympatoche. Voyage, voyage. Bon, en sachant très bien que dans tous ces endroits, je vais rencontrer des barrières de level qui vont faire que tous les gardes que je vais croiser vont m'écrabouiller la gueule comme une vieille chiasse. Enfin, à moins qu'on soit en train d'arriver quand même. Non, là, je suis en train de regarder vers cette zone-là. Alors qu'il faudrait que je remonte. Putain, je blague déserte. Bon, d'accord. Il faudrait que je remonte. Où est-ce que c'était? D'ailleurs, où est Alexandrie, quoi? Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'on voit... On voit jusqu'à là-bas, quoi. Franchement... Il y a de la belle perspective là. Hein. Quand tu penses aux vieilles époques de la N64 qui sont pas si lointaines que ça, bon, je sais, maintenant vous allez me dire, il y a certains d'entre vous qui étaient même pas nés au moment de la N64, bah j'y peux rien si vous êtes des pitchouns, quoi. C'est vrai que ça commence à remonter, quoi. C'était quoi, il y a 20 ans maintenant? 15 ans, 20 ans? Et bref, techniquement, c'est pas tellement lointain, quoi. Et on pouvait ils afficher jusqu'à 10 mètres, quoi. Enfin, quand Zelda 64 est sorti, les mecs étaient bluffés par les lignes de perspective qu'il y avait dans la plaine d'Hyrule, alors que c'était mais rien comparé à ça, quoi. Et je me souviens que sur Dreamcast, il y avait la suite du jeu tout pourri D qui était sorti à un moment. Et en gros, il y avait des ennemis invisibles qui, oh, aïe, qui se baladaient dans des plaines enneigées. Le pauvre cheval qui fait n'importe quoi. Et c'était sur une map relativement ouverte où on voyait des montagnes au loin et les mecs disaient « Putain, on peut aller escalader ces montagnes là-bas en face !» Et très honnêtement, j'ai pas envie de plaisanter sur la distance à laquelle elles étaient, mais... Je sais pas, elles étaient peut-être aussi lointaines que cette grosse bosse là-bas à tout casser, quoi. Ou même moins, quoi. Alors que là, putain, on voit perpète les oies, quoi, c'est super. Tu es l'animal. Bon, ça serait bien que je unlock au moins un truc de voyage rapide, là, rapidos. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ça vite fait? Allez, hop, on va aller... Enfin, il y a peut-être un truc comme ça plus accessible. Merde, j'aurais dû faire ça. Bon, allez, faisons-le. Thank you.
Bon, allez. Ciao, cheval. Cheval. Cowboy. Mais franchement, bon, d'accord, je sais, on va me taper sur les doigts, mais quand je vois le temps qu'il faut pour faire un Zelda, un Assassin's Creed de ce niveau-là, ou d'autres open world, peut-être Witcher 3, des choses comme ça, bon, ça prend le temps, hein, d'accord, les mecs, je sais pas, ils mettent 5-6 ans à faire leur jeu, hein, mais pourquoi les Elder Scrolls, c'est encore pire, quoi, ils mettent 20 ans à les faire, quoi. Non mais surtout, j'ai l'impression que Skyrim, ça a tellement été un gros effort de le faire que maintenant les mecs, ils ont pas envie de passer à la suite et ils ont envie de recycler au maximum, quoi. Et leur Elder Scroll Online, mais ça a l'air d'être de la merde, quoi. Non, non, il est temps qu'ils refassent un épisode et qu'ils le fassent sur une région, bon, peut-être pas le désert s'ils ont pas envie, mais ils ont encore des régions en stock. Faudrait que je regarde lesquelles il reste. Ah tiens, un palais comme en Andalousie. Comment ils appellent ça déjà? Merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. L'Alhambra. J'ai un peu envie d'y aller, mais il va y avoir des gardes partout, c'est pas la peine, quoi. Des gardes niveau 1000. De toute façon, on finira bien par y aller à un moment ou à un autre. Pas récupérer ces petites flèches. Ah putain, non, il y avait un truc de paille. Vite, vite, remonte. C'est l'heure de faire un super jump. Yes. Oui, ce qui est dommage un peu avec Assassin, c'est que on a ces gros paysages, mais il n'y a aucune dimension survivaliste, il y a juste la dimension parcours. Donc voilà, on sautille un peu dans tous les sens, mais il n'y a pas vraiment à gérer le froid, la faim, tous ces trucs. Alors j'avoue, quand c'est trop présent ces choses, ça fait chier, quoi. Ça, on va pas se mentir, hein. Mais quand c'est bien foutu, c'est vraiment sympa, et je pense que le jeu gagnerait à avoir un petit peu de ça quand même, quoi. Aidez les habitants. Bonjour, je viens vous aider. Oui, je vois ça, des guerriers level 1000. Le mec ne prend aucun dommage, quoi. Genre, je lui fais un stab, je le martèle et tout. Il prend aucun dégât, quoi. C'est ultra abusé, les barrières de level dans ce jeu, quoi. Caricature à la mort, quoi. Attention, n'allez pas dans cette région, n'allez pas commercer avec ces gens, ils sont level 10 000. Bon, mais bref, on a compris, c'est pas le moment d'aller ici, et le tourisme ne servira pas à grand chose, étant donné qu'on peut pas faire le jeu dans l'ordre qu'on veut, quoi. Du coup, on va retourner à Alexandrie, Alexandra. Et on va faire un cut pour garder à tout jamais ces belles discussions sur Morrowind et les open world, n'est-ce pas?
Franchement, je sais pas quoi en penser, enfin si, je sais quoi en penser, de ces barrières de level sur ce jeu, ça gâche quand même bien l'expérience, quoi. Mais il faut que Ubi foute des barrières pour orienter le joueur, c'est normal, hein, mais celle-là, c'est la plus faible. Et c'est la plus ancestrale en plus, c'est vraiment un truc qui existe depuis toujours dans les jeux, enfin depuis qu'il y a des... Depuis l'existence des RPG, quoi. Qu'est-ce que tu dis, là? Qu'est-ce que tu dis, madame? Bon, bref.